as it comes to the territory. Energies, energies. I don't keep no friends, I'm a loner. In the end, I will to be up a stoner. It's funny when they try to call my phone now. I'm in the phone, I put the phone down. Cause I ain't trying to come at you social. Cause I ain't about to be at your disposal. I tell a bitch, don't catch your feelings. Cause I ain't gonna be the one to hold you. The vibe ain't right. The vibe don't lie, I have no way. I do it by myself, I'm cool, say. I don't need to run around my own. Energies, I can feel it when you telling me. You want so much, I want so much. Hey, hey.
Dimanche, il y avait Dallas et nous on a vu ce spectacle là et vous donnez que ça. Ouais. Franchement, généralement je le fais pas, mais là quand même, est-ce qu'on peut faire d'abord un maximum de bruit pour Charmant quand même? Est-ce qu'on peut faire un
maximum de bruit pour le cas, s'il vous plaît. Vous vous rendez pas compte, j'ai l'impression que je regardais une conversation WhatsApp, ils parlaient entre eux. Tiens, c'est pour toi, merde alors. Je me calme, pardon, je suis trop excité. Non, mais c'était trop. Vous vous rendez pas compte, c'était trop. Les gens, ils comprennent pas tout. Mais ce qu'ils ont compris, c'était trop. Attention. Et toi qui comprennes cette vanne aussi, ça arrive. Jury, chacun pour chacun. Moi, j'ai le micro. Toi, t'as les problèmes. Et la vidéo. Et la vidéo. Bien sûr, je voulais savoir. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Merde alors. Jury. Et ça fait 3, 2, 1. Charmant Quentin. Charmant Quentin, si vous venez de voir la vidéo, sincèrement, je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, mais sur place, c'est incroyable. La subtilité du corps contre la subtilité de la musique. Franchement, c'est fort. Je ne sais pas si ça va se voir en vidéo, mais en tout cas, sur place, moi, j'étais là, waouh, c'est lourd. Je vais vous dire un truc. Pour moi, personne n'a gagné. Je pense que le dernier round, je le donne à Charmant. Le premier round, je le donne à Quentin. Tout s'est joué sur le deuxième round pour moi. Dans la globalité, c'est-à-dire que j'ai trouvé que Charmant, à la fin, c'est un peu comme s'il avait un peu abandonné. Il était moins dedans sur le deuxième passage. Alors que sur le premier, c'était incroyable. Et le dernier, encore plus. Quentin, il a été plus constant sur les trois. Et c'est pour ça qu'il a eu la victoire. Mais musicalement, la manière dont il arrive à mettre la musique, même sur ses arrêts, comment il arrive à raconter des histoires, où il laisse traîner la main, boum, c'est la musicalité qui part sur le bras. Après, des fois, c'est sur le pied, des fois, c'est sur la tête. Il prend le truc, il saute. Il joue, en fait. Il arrive à garder la musique tout en gardant le rythme et en même temps en prenant des accents dans des différents et des niveaux différents. Et Charmant, il flotte. Charmant flotte. Le gars, il flotte. Il est un calme. Et mec, il faisait du yoga avec sa technique. Il était sur là. Et en même temps, ce qui est fort, c'est que ça aurait pu être off-beat ou on-beat. Il est dans l'atmosphère du son. Et ça, c'est franchement pour moi, c'est limite la chose l'une des plus difficiles à faire. Donc, big up à Charmant. Big up à Quentin. J'ai voté Quentin. Comme j'ai dit, je trouvais que le deuxième passage de Charmant, il a un tout peu baissé. Mais franchement, ça ne joue à rien du tout. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment, big up auto. J'ai kiffé de ouf. Et pour moi, c'était un gros battle. Donc, big up auto. Big up à Charmant. T'es incroyable, mec. Et big up à Quentin. Franchement, t'as les oreilles, mon frère. Peace.